Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat. C'est le retour de Roland Banks. Ça fait un moment que j'aurais dû le faire revenir parmi nous. J'ai eu du mal pour des raisons personnelles. Mais nous voilà de retour chez Roland Banks. Donc vous avez vu dans le texte en introduction, Ita Chandler nous a un petit peu expliqué tout ce qui a pu nous arriver par rapport à l'apparition des ghouls chez nous, et mettre en place un petit peu l'histoire, le mythe. Si on n'avait pas vécu tout ça, effectivement, ça aurait été difficile à croire, mais voilà. On a voulu enquêter dans un premier temps, maintenant on est en plein dans l'enquête, et on va reprendre chez nous. Pour l'instant, je vais juste faire une aparté pour rappeler les deux faiblesses. Bon, la faiblesse de Roland, bien sûr, effacer les traces, et celle qui était à l'origine tirée, paranoïa. Donc je l'ai laissé. Et ensuite, pour indiquer que j'ai remplacé avec mon expérience la barricade, le flic en patrouille et un couteau par le flic en patrouille amélioré pour 2 points, des munitions supplémentaires pour 1 point et l'amulette du signe des anciens pour 3 points. Voilà. Donc je suis toujours en mode standard en ce qui concerne le Chaos Bag. Donc, je vais répartir les cartes et pouvoir mélanger et procéder. Hop là, au premier tirage. Et c'est parti donc pour le premier tirage. Première main. Alors nous avons le vieux grimoire, coup vicieux, cran, le 38 spécial de Roland et le pouvoir de l'esprit. Alors, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va garder le 38, le cran. Et le coup vicieux, on va tenter d'avoir un peu mieux que ça. Ouvrages médicaux et la lampe torche. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, je pense qu'on va rester comme ça. Voilà. Donc, voilà ma main de départ. Je vais procéder à une installation. Du scénario. Et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'ai effectué la mise en place du scénario. Nous allons commencer dans notre maison. Je vais commencer par mélanger à nouveau les trois paquets. Donc il y a le paquet de cultistes, le deck de rencontre et on va pouvoir procéder à la lecture de l'intrigue et de l'acte. Alors pour l'intrigue, prédateur ou proie?
Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville, et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être, vous aussi, pris en chasse. Alors, il y a une action d'abandon possible, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps, et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Il y a un seuil de 6. En ce qui concerne l'acte, découvrir la conjuration. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Collectivement, donc une action collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck cultiste. Objectif, trouver autant d'ennemis cultistes uniques que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis uniques cultistes dans la pile de victoire, avancez. Note, les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste. D'accord. Donc ça, il faudra dépenser une action et 2 indices pour pouvoir à chaque fois aller chercher les cultistes. Je vais rassembler mes 5 ressources. Et nous allons pouvoir, avec la première main, partir pour cette enquête. Donc, dans un premier temps, nous sommes chez nous. Malgré tout ce qui s'est passé, vous n'avez pu vous résoudre à détruire votre maison. Il y a une valeur occulte de 2. Il y a un indice. Alors, forcé, quand le prêtre ghoul est généré, le prêtre ghoul ne sera pas généré, nous l'avons tué dans le scénario précédent. Ou sinon, il y a une action, piocher une carte et gagner une ressource, limite une fois par tour. Bon. Alors, on va commencer dans un premier temps, forcément, par poser le 38 spécial de Roland. Avec ces 4 munitions. Ensuite, ça c'était ma première action. D'ailleurs, je vais faire un compteur d'action, ça sera pas plus mal. Voilà, première action. Deuxième action. Bah pour 2. Je vais poser la lampe torche avec ces 3 recharges. Et au niveau équipement, je pense que je suis pas mal pour me lancer dans cette enquête là. Et dernière action donc. Alors, qu'est-ce que je fais? J'enquête. Ou éventuellement, j'utilise l'action de piocher et d'avoir une ressource. Je vais piocher et prendre une ressource. Dextérité. C'est pas mal. Avec le cran, ça sera, je pense, bien utile. Donc, c'était la première phase d'investigation. Phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche une carte. Oh putain. Ouais, ben voilà. Une faiblesse. Toujours une de moins. Donc, paranoïa, révélation, défausser toutes vos ressources. Bon. Super. Et je pioche ma ressource quand même. Heureusement qu'on pioche avant. Bon. Premier tour donc terminé. Et c'est parti
pour la phase de mythe. Premier pion de fatalité. Premier tirage. Brouillard couvrant. Attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défaussez le brouillard couvrant. Ok. Donc pour l'instant, ça ferait 4. J'ai 3 en connaissance. J'ai rien pour faire monter ça. Donc je vais me déplacer. La phase de mythe étant terminée, phase d'investigation. Première action, je vais me déplacer vers le quartier de la rivière. Par contre, par rapport à ma maison, l'idée d'y retourner vous met cependant toujours mal à l'aise. Oui, avec ce qu'on a vécu précédemment, c'est sûr que c'est pas évident. Hop là. Alors, le quartier de la rivière. Les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la rivière. Il y a une valeur occulte de 1 et un indice. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. On n'ira pas se baigner ce soir, je pense. Donc il y a un indice. Ok. En deuxième action, je vais enquêter. Une valeur occulte de 1. Le cultiste. Moins 2. 3 moins 2, 1. Impeccable. Et sinon, j'aurais dû placer aussi une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Mais il n'y en a pas. Donc, j'ai mon premier indice. C'était ma deuxième action. Troisième action. Je vais à nouveau me déplacer au quartier sud. Comme ça me permettra de naviguer dans ces eaux-là. Alors, quartier sud, les demeures mansardées des classes moyennes s'entassent dans les rues du quartier sud. Celui-ci est surtout connu pour ses bâtiments socioculturels comme l'église méridionale, la pension de Mât, ou la société des historiens. Alors, il y a une valeur occulte de 2, un indice, une possibilité, cherchez un soutien allié dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck, limite une fois par partie. Ok, c'est pas mal du tout. La pension de Mât est célèbre pour ses chambres bon marché et son plat de viande mystère du lundi. On peut y trouver toutes sortes de gens qui vont et viennent à n'importe quelle heure de la journée. Donc, un indice. Et il me reste une action. Il me reste donc une action. Oui. Ah ben non, il me reste pas d'action en fait. Je crois pas. Donc j'ai effectué mes 3 actions. Hop. Je ramène mon compteur. Et phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche une carte.
Explosion dynamique. Bon. On verra. Pour l'instant, je n'en ai jamais eu l'utilité. Surtout si on a un monstre avec soi. 3 points de dégâts à s'infliger soi-même, c'est pas terrible. Et je pioche ma deuxième ressource. Et à nouveau, une phase de mythe. Troisième tour. Un nouveau pion fatalité. Une porte verrouillée. Super. Alors, attachez cette porte, la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée et attachée. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Alors, je serais tenté de mettre cette porte, vu qu'il y en a autant à la maison qu'au quartier sud, de la mettre à la maison. Mais en fait, je pense que je vais la mettre là, tant pis. Je vais pas m'occuper de cet indice. Tant pis. Allez. Première action. Je me déplace vers l'hôpital Sainte-Marie. L'unique hôpital d'Arkham, Sainte-Marie, a une salle d'attente ouverte 24 heures sur 24 et fréquentée à toute heure de la nuit. Le docteur Mortimer et l'infirmière Sharon sont particulièrement stressés ces derniers temps, en partie à cause des récents événements. Alors, l'hôpital Sainte-Marie, 2 de valeur occulte, un indice et une action possible, soigner 3 dégâts, limite d'une fois par partie. Un séjour prolongé à Sainte-Marie peut faire des merveilles sur le corps, mais son effet sur l'esprit est plus incertain. Oui, assez sinistre quand même. Alors, voilà. Deuxième action, je vais enquêter. Il y a une valeur occulte de 2. J'ai 3. J'ai toujours rien pour améliorer ma connaissance. Donc je vais utiliser une recharge de ma lampe torche. Je fais un test. Alors lui, moins X, le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. C'est parfait. Donc en deuxième action, j'ai enquêté. Et en troisième action, je vais aller chercher mon premier cultiste. Donc je dépense mes deux indices. Et je pioche mon premier cultiste. Herman Collins, le fossoyeur. Il a 3 en attaque, 4 points de vie, 4 en évasion. Génération cimetière. Choisissez et défaussez 4 cartes de votre main pour discuter avec lui et l'ajouter à la pile de victoire. Le fossoyeur du cimetière local a creusé d'étranges tunnels sous le mausolée, mais dans quel but? Oui, lui non plus, il n'est pas très rassurant avec son masque là. C'est pas trop ce que c'est. Donc on va le mettre au cimetière. Pas forcé d'aller le chercher tout de suite, mais je sais qu'il y en a un là maintenant. 4 cartes à défausser pour pouvoir rapidement s'en le prendre. Bon, pour l'instant, j'ai 5 cartes. On verra à ce moment-là. Donc, je vais mettre l'indice, c'est fait. J'ai dépensé, j'ai fait toutes mes actions. Phase d'ennemi, ce n'est pas le chasseur, donc il ne bouge pas. Phase d'entretien, je pioche une carte, la planque, bien, et une ressource. Voilà. Et c'est le tour suivant. C'est le tour suivant. Je vais mettre mon compteur par là, ce sera plus pratique. Voilà. Alors, nouvelle avancée. De la fatalité et je pioche une carte. Une porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Eh bien, on va le mettre à la maison. Ça, au moins, c'est fait. Allez, phase d'investigation. Je vais à nouveau me déplacer vers l'université.
pour ma première action. L'université Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes entretenus par le très estimé docteur Henry Armitage. Ok, on va découvrir. Ouf, valeur occulte de 4, 2 indices et une action possible. Cherchez une carte, livre ou sort parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-les à votre main. Mélangez votre deck. Bon, ouais. Livre ou sort, c'est pas trop ma tasse de thé. Bon, ça serait plutôt arme et loupe. Ou lampe. Donc, le campus est calme et silencieux. Certains bâtiments ont été laissés ouverts pour les professeurs et les étudiants qui travaillent tard le soir. Alors, il y a quand même 2 indices. Je vais quand même essayer de procéder à une enquête. Parce qu'il faudrait que je sorte d'autres cultistes, tant qu'à faire. Donc, ma deuxième action, ça sera une enquête en utilisant ma lampe torche pour faire descendre le seuil à 2. Ouf, moins 1. Donc, j'ai 3, c'est ça. Ouh, je fais descendre à 2, c'est bon, ça passe. Premier indice. Alors, j'ai bien envie quand même. De me préparer à aller voir lui là. Pour gagner du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte. La machette. Ah, c'est pas le genre de carte que j'irai lui donner ça. Mais par contre, elle sera très intéressante à poser. Voilà, c'était ma dernière action. J'ai 7 cartes. Je vais piocher la 8e. Que je commence à utiliser quand même quelques cartes au tour prochain. Donc phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi qui bouge. Phase d'entretien, munitions supplémentaires. Très bien. Bon, bien que je ne sois pas encore servi de mon arme, ça pourra servir. C'est pas mal, hein. Ça fait 8 cartes, c'est bon. Je prends ma ressource. Et nouvelle phase de mythe, quatrième pion, ombre chasseresse. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Bon, ben les indices valent cher, donc tant pis, j'ai encaissé mes 2 premiers dégâts. Voilà, donc, phase d'investigation. Alors, j'aurais préféré piocher un ennemi, ça m'aurait permis de gagner l'indice. Ce que je vais faire pour l'instant... J'ai la possibilité d'aller prendre directement le prochain cultiste. Est-ce que ça m'intéresse? Allez, il faut que j'avance. C'est déjà... J'ai déjà 4 pions de fatalité là-bas. Première action et deuxième action, je me déplace jusqu'au cimetière. Donc, Herman Collins. Est engagé. Je vais mettre ma zone de menace ici. Ça va, c'est pas, il n'y a pas de reflet gênant. Donc, le cimetière. Le cimetière s'étend au pied de la colline de French Hill. Certaines des pierres tombales remontent au XVIIe siècle quand les premiers colons s'installèrent à Arkham.
Étant donné ce qui s'est passé dans votre maison, vous n'êtes pas très rassuré de vous retrouver là. Donc, il y a une valeur occulte de 1, 2 indices, et après être entré dans le cimetière, effectuez un test de volonté 3. En cas d'échec, vous devez subir 2 horreurs. Soit vous déplacez vers le quartier de la rivière. Alors, en cas d'échec, vous devez soit subir, pardon, 2 horreurs, soit vous déplacez vers le quartier de la rivière. Bon. Ok, donc j'ai un test à faire. Donc, volonté 3, j'ai 3. Je crois que j'ai un cran. Voilà. Je vais quand même mettre une, 2, 3, et 4 cartes, tant pis, de côté. Je vais utiliser mon cran pour monter à 5. Et à 5 contre 3. Oui, donc c'est moins X le nombre de fatalités sur les cultistes. Il n'y en a pas, c'est bon. Donc pas d'échec. Et il me reste une dernière action. Eh bien, je vais discuter avec Herman Collins. 1, 2, 3, 4 cartes. Donc je défausse les ouvrages médicaux, dextérité, explosion de dynamite et coup vicieux. Oui, les munitions, je vais quand même les garder. Planque, ça se garde. Et machette, ça se garde. Allez. Donc, j'ai pu interroger et récupérer mon premier cultiste unique, Herman Collins. Par contre, j'ai pas mis les deux indices. Je vais les mettre. Et c'est bon pour ma phase d'investigation. Phase d'entretien, il n'y a pas d'ennemis. Un vieux grimoire. J'aurais préféré le donner, c'est dommage que je ne l'ai pas tiré plus tôt celui-là. Et une ressource. Ok. Cinquième indice de fatalité. Je vais enquêter. Deux fois. Je pense. Donc, première action. Si je tirais quand même une carte, ce serait trop facile. Oui, ça c'est ma planque. Si je tirais une carte, fausse piste. Révélation. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagneront fort. Bon, j'ai un indice. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test de connaissance. En cas d'échec, perdez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Ok, donc 4, j'ai 3. Ah, bah voilà, il va me servir l'ouvrage. Ah non, le vieux grimoire, c'est pas possible, ça donne de la volonté. C'est munitions qui donnent de la connaissance. Et ouais. Peut-être pas particulièrement envie de me débarrasser de mes munitions là. Aïe. Bon. Je vais quand même tenter d'attraper un plus un, mais c'est pas évident. Le signe des anciens. Le signe des anciens plus un pour chaque indice dans votre lieu. Ah ben c'est parfait. Ça me fait plus 2, donc je n'ai pas perdu. J'ai réussi mon test de connaissance, puisque je monte à 5 contre 4, c'est parfait. C'est vrai que j'aurais oublié cet effet-là. Là. Eh bien, c'est le tour de l'investigation. Eh bien, je vais procéder à une enquête. Là.
Alors, c'est toujours moins X, machin, c'est parfait. Mon test de 3 contre 1 s'est très bien passé. J'ai mon deuxième indice. Deuxième action, je vais dépenser et sortir un cultiste, Ruth Turner, à l'hôpital Sainte-Marie. C'est une légiste. Après avoir échappé à Ruth Turner, ajoutée là à la pile de victoire. Bon, il y a 5 d'évasion, c'est pas terrible quand même. Des corps ont mystérieusement disparu de la morgue. Peut-être que la légiste de Sainte-Marie a quelque chose à voir avec ces disparitions. Ah, on voit qu'il y a un masque ici. Ok. Donc, c'est dommage, j'y étais. Il faudrait que je me déplace. Hop là. Dernière action. Dernière action. Je vais gagner du temps, je pense. Si je gagne, je prends l'indice. Ah oui, parce que celui-là va être très dur à prendre. Là, je ne vais pas en gagner. Bon, tant pis. Moi, je vais poser ma machette. Allez. 1, 2, 3. Ah, je peux éventuellement pas tout de suite. Sinon, je perds l'avantage de ma lampe torche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enquêter un dernier coup. Voilà. Ouais, tant pis. Je me défausse de ma lampe. Et je pose ma machette. Voilà, ça c'est fait pour ma troisième action. Phase d'ennemi, elle n'est pas chasseur. Phase d'entretien, je pioche une carte. Pouvoir de l'esprit, à jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin du round, vous avez le droit d'utiliser votre connaissance à la place de votre force et de votre agilité. Ah, pour l'agilité, ça pourra éventuellement servir. Non. Non, en fait, on utilise la connaissance, j'ai que 3. Ah si, à la place de l'agilité, ça pourra servir. Ok. Ensuite, je prends une ressource et j'atteins le seuil. Donc, je retourne la carte. Ah, le chasseur masqué. Alors, c'est un cultiste élite engagé avec sa proie. Chasseur, le chasseur masqué gagne plus 2 par investigateur, donc il a 6 de vie, 4 de force, 2 d'évasion. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Ok. Donc il m'engage. Ah. Tac, on va le mettre là. Faire mon compteur ici, ma pile de victoire, je vais la mettre ailleurs. Voilà. Donc j'ai celui-ci sur moi. C'est la phase d'investigation. Alors il a 4 de force et 4 de vie, 6 de vie. Donc, première action. Ça, je pense pas que ça va me servir. Et bien, je vais l'attaquer avec le 38 spécial de Roland. Ce qui me fait 7 contre 4. Zéro. Et
je lui inflige donc ses deux premiers dégâts. Deuxième action. Une autre balle du 38 spécial de Roland. Moins 2. Ce qui me fait 5 contre 4. C'est parfait. Et troisième action. À nouveau une balle. À nouveau un coup du 38 spécial de Roland. Oui. Moins 1. 7. Oui, j'ai plus 3 parce qu'il y a encore un indice là-bas. Depuis le début, j'ai bien appliqué ce qu'il faut. Et j'inflige à nouveau donc 2 dégâts pour ma troisième action. Il va m'avoir pris tout un tour, celui-là. Mais j'ai réussi à l'avoir. C'est parfait. Deuxième cultiste dans la pile. De victoire. Alors, l'intrigue a avancé. Le temps presse. Les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse. Il y a une action d'abandon. Vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Alors, j'ai tué un ennemi. Donc, je récolte un indice aussi. Alors... Est-ce que j'ai tiré la carte? Non. Donc, je tire la carte. Ombre chasseresse. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir deux dégâts. Donc, dans cette partie, dans cette enquête, les indices sont très précieux. Je préfère à nouveau encaisser deux dégâts. Au cas où, je pourrais toujours aller me soigner quand j'irai chercher celle-ci. Et ça va être enfin mon tour d'investigation. Donc là, je me suis débarrassé de lui. Ah, mais en fait, je devais tirer la carte avant. Ouais, j'ai fait ça dans le désordre. Oui. J'ai fait ça dans le désordre. J'ai tiré la carte après, mais bon. Donc, j'en suis à la phase d'entretien, en fait, maintenant. Donc, je pioche une carte. Un flic en patrouille. Une ressource. Voilà. C'est pas du tout tout ça. Par contre, le temps avance. Nouveau tour qui commence, nouvelle phase de mythe, premier indice de fatalité, et cette fois je pioche la carte, c'est plus facile dans ce sens-là. Alors, révélation, effectuez un test d'agilité 4, en cas d'échec, subissez un dégât et une horreur, et ensuite désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit engagé avec vous, et déplacez-vous vers un lieu central. Une maigre bête de la nuit descend en piqué du ciel et vous agrippe avec ses mains griffues et vous emporte dans la nuit. Bon, ça, c'est si je rate mon test. Ok. Donc, il me faut un test d'agilité 4. Je prendrai éventuellement un dégât de chaque. Bon, je ne veux pas dépenser de carte. Je peux utiliser... Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Non, le pouvoir de l'esprit, c'est un événement. Non, je ne vais pas l'utiliser ce tour-ci. Donc, je suis à 2 contre 4. Ok. Voilà. Moins de 3. Donc, écoutez, je, à la rigueur, je gagne un déplacement. Bon, même si ça me coûte un dégât. Et un point d'horreur. J'ai gagné un déplacement. Alors, ensuite.
quoi qu'il arrive, je suis obligé de faire deux déplacements. Alors j'ai tant pis, faire mes deux déplacements. Il faut que je gagne du temps. 1, 2. Et en dernière action, bon, je crois que je vais utiliser simplement ma machette parce qu'elle a que 2 de force. Donc troisième action, je vais attaquer avec la machette. Oui. Moins 1. Donc j'avais plus 1, ça doit monter à 5 contre 2. Moins 1, c'est largement au-dessus. Je lui fais 2 dégâts. Phase d'ennemi. Forcément, elle m'inflige un dégât. Il me reste 3 points de vie. C'est quand même dangereux par rapport au point de vie, hein, ce que je fais. Phase d'entretien, je pioche une carte. Suivre son intuition rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Découvrez un indice dans votre lieu. Ah, mais c'est pas mal ça. Et ça utilise pas d'action apparemment. Puisqu'il y a marqué rapide. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu des rapides que rapide, un joueur a le droit de jouer une carte rapidité sans dépenser d'action. Eh ben, ça sera parfait ça. Ça peut être pas mal pour aller récolter ça au passage. Ok. Et je prends ma ressource. Phase de mythe. Un point de fatalité. Une ombre chasseresse. Oh là 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 là. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir deux dégâts. Une silhouette ombreuse vous suit sous la pluie. Quand vous la regardez, votre tête cogne et votre vue se trouble. Oui, ça commence à devenir embêtant là. Je resterai à 2 points, je récoltais que 3, non là, faut que j'arrête à 2 jouer avec le feu, tant pis, je vais dépenser un indice, ça me coûte cher, j'ai pas trop le choix. Heureusement que je vais en récupérer un au passage gratuitement. Alors, du coup, ouais, c'est la phase d'investigation. Donc, première action. Eh ben, on va tenter un petit coup de machette. Donc à 5 contre 2. Moins 2. Et comme je lui inflige à nouveau 2 dégâts, je peux emprisonner Ruth Turner pour pouvoir la questionner. Parce qu'en fait, c'est le but hein, de l'enquête, avoir un maximum d'informations. Donc je la mets suffisamment dans un mauvais état pour que je puisse l'emmener et la questionner. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace et j'utilise suivre son intuition, du coup, pour 2. Comme ça, je récolte l'indice au passage. Troisième action, on va aller dans le quartier nord. Le quartier nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines, ainsi que la gare. Alors, il y a un seuil de 3. Deux indices, dépenser 5 ressources pour gagner 2 indices depuis la réserve de pions. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Il y a 2 indices. On va les mettre. Et c'est la phase d'entretien car il n'y a pas d'ennemis. Entraînement physique. Bien. Ok. Et je pioche une ressource. Ensuite, phase de mythe, troisième indice de fatalité,
Je pioche une carte. Fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne en force. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test de connaissance 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur le lieu pour chaque point manquant. Ok. Bon. Alors j'ai 3 contre 4. Ouais. Moins 1. Donc, je perds mon troisième indice. Alors, ce que je vais faire pour gagner du temps, parce que là sinon je suis mal barré, c'est la phase d'investigation. Donc, première action gratuitement, mais pour une action, je pose la planque. J'ai 3 ressources. Et ensuite, deuxième action, je dépense 5 ressources. 4, 5. Pour gagner 2 indices. Et dernière action, je dépense mes 2 indices pour aller piocher un ennemi cultiste. Peter Warren, le professeur de l'occulte. Génération, l'université. Bon, c'est juste à côté, c'est bien ça. Dépenser 2 indices, discussion, ajouter Peter Warren à la pile de victoire. Donc il est là. Un professeur de l'occulte a été aperçu en train de lire d'étranges livres traitant de cannibalisme. Peut-être sait-il quelque chose qu'on ignore. Ok. Donc, j'ai fini la phase d'investigation. Oh là là, c'est 3 indices, hein. Je pioche une carte, phase d'entretien. L'ennemi n'est pas chasseur, donc il ne se déplace pas. Preuve. À jouer, après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez... Ah, c'est rapide. Découvrez un indice dans votre lieu. Bien. Ah ben non, mais il n'y a pas d'ennemi. Ah, c'est ballot. Donc, 6 cartes. Et je prends une ressource. Bon, je tourne à droite, à gauche, mais pour l'instant, j'avance pas terriblement vite. Hein. J'en ai quand même 3. 3. Je vais normalement me prendre mon quatrième. Il m'en restera 2, là. Il faut pas que je traîne. Donc. Phase de mythe. En parlant d'avancer vite, quatrième pion de fatalité. Mélopée, mystérieuse mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck de rencontre. Bon, il y a un ennemi cultiste. Donc, oulalalala. Oulala. Donc, j'ai pas trop. Ouais, il faut que je me dépêche quand même. Hein. Donc, je pourrais pas dépenser 2 indices, c'est clair. Allez. Première action, donc, je me déplace, je retourne à l'université. Deuxième action, je vais utiliser, vu qu'il n'a que 2 et 3 points de vie, est-ce que je peux pas lui faire un dégât en plus hein? Non, hein, je crois que je m'étais défaussé, c'est dommage. Donc, je vais utiliser la machette. Donc, 5 contre 2. Moins 2, c'est bon. Je lui mets 2 points de dégâts. Troisième action et dernière action. À nouveau la machette. Moins 1, c'est bon. Je peux défausser ces 2 pions fatalité et récupérer. Le professeur. Donc voilà, avec 4 cultistes dans la pile de victoire à interroger pour avoir des informations. Donc, phase d'entretien. Une planque. Oh. Ah, s'il lui fallait des indices, allez.
Là, c'est limité à une fois par partie, c'est dommage. Et lui, c'était des indices. Bon, j'espère qu'il y a quelqu'un qui faudra des ressources à la rigueur. Ça m'a fait gagner du temps. Alors, je vais faire une pause caméra. Bon, voilà. J'en étais à prendre ma ressource après avoir pioché la planque. Voilà. Oh là 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 là, ça avance. Il n'y a plus que 3 tours. Donc, nouveau pion de fatalité. Et nouvelle carte. Ouf, un ennemi. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'indice. Alors, les chasseurs. On peut s'évader pour 1. Ok. Tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit chasseresse, doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Elle ne souriait pas non plus parce qu'elle ne possédait pas de visage. Il y avait à la place qu'un vide évocateur. Ça, c'est HP Lovecraft. Donc, pour l'instant, elle est engagée. Parce qu'il n'y a pas marqué de génération. Elle a 3. On atteint 4 points de vie et un indice de 1 pour l'évasion. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire? Est-ce que ça serait peut-être le, ça vaudrait peut-être le coup de la tirer là-haut. Alors, il me resterait combien d'actions après 5? Alors, je vais tenter de lui échapper. Allez. C'est un peu particulier ce que je vais faire. Je vais tenter de m'évader. Donc, je peux utiliser. Alors, est-ce que je l'ai encore? Tac, tac, oui. Ah, ça ne coûte pas d'action, ça, c'est bien. Je vais utiliser ma connaissance à la place de mon agilité. Pardon. Point. Ça ne me coûte pas d'action. En première action, je vais essayer de échapper à. De m'évader, du coup. 3 contre 1, du coup. Est-ce que j'ai possibilité de rajouter quelque chose? Le flic en patrouille, est-ce que je vais m'en servir? Non, allez, 4. 4 contre 1. Moins 1. Alors, il faut multiplier par 2, moins 2, 4 moins 2, 2. Donc, je réussis à me désengager de lui. Deuxième action, je me déplace où il y a un max d'indices. Et troisième action, je vais enquêter. J'ai 3. Est-ce que je peux dépenser quelque chose? Alors, ça, je vais le garder. Moi, les munitions, je sais pas si j'en aurais besoin, donc tant pis. Puisque j'ai ma machette après, au pire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enquêter. Donc, à. Oh là là. 4 contre 3, oui, c'est ça. Zéro! Un indice. Et voilà, ça c'était ma dernière action. Alors, phase et demie. Alors, je crois qu'il se redresse. C'est tout. Je crois pas qu'il se déplace en fait. Je sais plus. Je vais aller vérifier ça. Du coup, une petite pause s'impose. Donc, je viens de vérifier. En fait, l'ennemi se redresse, c'est tout, dans la phase d'ennemi. Phase d'entretien. Un cran. Et une ressource. Ok.
sixième, puis en fatalité. Un acolyte. Génération n'importe quel lieu vide. Après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. Ok. Donc j'ai pas trop le choix, il va falloir que j'aille m'occuper de lui. Ce qui va me faire perdre du temps. Bon. Allez, phase d'investigation. Je me déplace. On voit mon collègue l'acolyte. Je vais donc au centre-ville. Par contre, dans le quartier nord, rien ne délie les langues des gens plus rapidement qu'un peu d'oseille. D'accord. D'où le fait de dépenser 5 ressources pour avoir 2 indices tout à l'heure. Le centre-ville d'Arkham est occupé par les bâtiments officiels, dont l'hôtel de ville, la première banque d'Arkham, le square de l'indépendance et l'asile d'Arkham. C'est le quartier le plus animé de la ville. Alors, on peut gagner 3 ressources pour une action. Il y a un indice de 3, une valeur occulte de 3 et un indice. Donc, je me suis déplacé ici donc, pour une action. Deuxième action. 3 contre 1, j'ai 5, j'ai pas le temps d'utiliser ça, donc je vais le défausser pour avoir 6 contre 1. Donc en deuxième action, j'essaye de lui infliger un coup de mâche 7. Non, 6 contre 3. Alors, un coup de mâche 7. Voilà. Alors, moins X, le plus grand nombre de fatalités, 1. Voilà. Moins 1, donc 6 moins 1, 5 contre 3. C'est bon. J'ai vaincu un ennemi. Je récolte ceci. Alors, je vais, tant pis, pour ma dernière action, il faut que je sache où. Je vais pas avoir beaucoup de temps. Où est le prochain cultiste? Même s'il y a une bête qui traîne qui va venir me chercher après. Alors, quartier nord. Quartier nord. Impeccable. Victoria Dévreux, la collectionneuse. Génération. Ah oui, enfin, impeccable. Il y a la maigre bête qui va venir me rejoindre aussi. Dépenser 5 ressources. Discussion. Ajouter à Victoria Dévreux. À la pile de défausse. Ah, Olivier Thomas, le propriétaire de la boutique de souvenirs, vous a appris qu'une nouvelle cliente était très intéressée par un masque mystérieux. Donc elle est là. Elle est là, c'était ma troisième action. Donc. Phase d'ennemi. Hop, il se déplace, alors je pense que c'est là le plus proche. Hein. Ouais. Donc il se déplace avec la Miss, ça fait du monde là quand même. Hein. Et il me restera juste une action, après ça va être compliqué. Quoique, est-ce qu'on a le droit de faire une discussion? Je ne sais plus. Phase de mythe. Alors. Je ne sais plus où j'en étais. Alors, après vérification, oui. Je vois ce que je pourrais faire. Donc, phase d'entretien. Vu que j'ai déplacé la maigre bête de la nuit dans la phase ennemie. Je pioche l'amulette des anciens. Et une ressource. Du coup, elle... Ah. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une autre phase de mythe, là.
Déjà. Allez. Septième plomb, pion de fatalité. Je tire une carte. Mélopée, placer deux fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck de rencontre. Ok. Alors, ce que je vais faire, vu que les deux sont cultistes. Ah non, cultiste, il n'y en a qu'un là. C'est parfait. Voilà. C'est fait. Voilà, sachant que là, maintenant, cette phase d'investigation est la dernière. Donc, a priori, déjà, il y a un petit cultiste qui va m'échapper. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Parce que là, je vais me retrouver engagé avec les deux, là. Donc, ce que je vais faire. Bon, sachant que j'ai fini là, il lui faut 5 ressources à elle, ben, ça c'est parfait. Et bien voilà, pour finir donc, dans un premier temps, première action, je me déplace. Oui, je sais, il y a du monde, c'est dangereux au quartier nord. Et ensuite. Ça a été l'objet de ma vérification. On peut faire une action combattre, échapper à, discuter ou abandon. Sans subir de dégâts. Donc, pour la discussion en deuxième action, je dépense mes 5 ressources pour défausser. En fait, pour capturer Victoria d'Evreux et l'ajouter à ma pile de victoire. Et en dernière action, je vais abandonner. Donc, je pense que vu le temps qu'il me restait, 5 cultistes, c'est quand même pas mal. On va pas se plaindre. Voilà. Donc, toc toc toc. Si aucune conclusion n'est atteinte, c'est le cas. Tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus, c'est le cas. Lire la conclusion. Vous avez réussi à obtenir certaines informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ce sera suffisant. Alors voilà, après avoir brièvement lu tout ce qui concernait la fin de l'histoire, parce que je me suis un peu perdu dans les conclusions, etc. Je commençais un petit peu à être fatigué. Donc voilà, il faudra compter les points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les lieux, 2. Je les ai comptés, je sais plus où je les ai foutus. J'ai terminé deux lieux complets. Donc ça fera 8 points. Et ensuite, il faudra noter tous les cultistes que j'ai pris, sauf évidemment Drew l'homme-loup. Voilà, je vous retrouverai pour la suite des aventures de Roland Banks assez rapidement, je pense. Le temps encore évidemment de faire un petit peu le montage, enlever tous les. Ou éventuellement les recherches que j'ai dû refaire là, parce que ça faisait un certain temps que je n'avais pas joué. Donc voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que vous serez aussi nombreux à suivre la suite et peut-être à vous abonner, éventuellement, pourquoi pas mettre aussi un petit j'aime là pour motiver la troupe, quoi. Allez, je vous remercie, à bientôt.